Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter deux petits glitches. Alors, le premier glitch que je vais vous présenter, c'est comment dupliquer les bidons d'essence. Alors, ce que vous allez devoir faire, c'est vous équiper de un bidon. Ensuite, vous allez spam triangle, 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 triangle pour switcher de votre jerrycan d'essence à votre pioche. Et en même temps, vous allez spammer carré, donc la touche action pour ramasser. Donc vous spammez triangle carré, triangle carré, triangle carré. Et là, vous allez pouvoir dupliquer vos bidons d'essence en illimité. Alors bien entendu, sur console, je pense que c'est un peu plus galère que sur PC. Mais bon, c'est quand même réalisable parce que j'ai réussi. Donc vous pouvez le faire aussi. Alors maintenant, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vous envoler dans les airs avec un camion. Alors pour ce faire, vous allez devoir trouver un camion, hein, parce que ça ne fonctionne qu'avec les camions. Et vous allez devoir placer votre jerrycan d'essence comme moi je le place dans la vidéo. Alors faites attention de bien le placer comme moi. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais parfois ça ne fonctionne pas. Alors quand vous l'avez placé, là vous montez dans le véhicule, mais vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas, vous attendez au moins une histoire de 10, 15, 20 secondes. Et puis ensuite vous reculez avec votre véhicule petit coup par petit coup. Et logiquement, ça devrait s'envoler à un moment ou à un autre. Alors, quand vous êtes dans les airs, faites attention parce que c'est possible que si votre véhicule fasse un tonneau, parce que en fait, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez faire des dérapages et tout ça. Mais si vous êtes dans les airs et que vous faites un dérapage et que votre camion se retourne sur le côté et qui fait tout simplement un tonneau, et là, vous risquez d'être éjecté du véhicule comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Alors là, j'ai une autre petite information. Quand vous êtes dans les airs, à un moment donné, le véhicule, il va commencer à descendre. Je sais pas si c'est parce que j'avais pas donné de coup de gaz, mais dès que le camion a commencé à se lever, à un moment, il est redescendu directement comme un piquet. Enfin, voilà, j'étais en train de redescendre. Et ce que j'ai fait pour remonter, j'ai tout simplement donné un tout petit gaz. Donc voilà, j'ai avancé un peu avec le véhicule et là, ça l'a remonté. Donc si ça, jamais ça vous arrive, vous tapez un petit coup de gaz et hop, vous remontez. Alors bien entendu, c'est des glitches, il y a des risques de ban. Donc si vous le faites, ça vous risque péril. Et voilà, la vidéo n'est pas là pour vous inciter, mais pour vous montrer que voilà, il y a un petit glitch assez what the fuck avec les voitures de Fortnite. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.